Maintenant. Ici. Tout de suite. J'adore te faire amour. Ne parle pas d'amour. Sois efficace. J'en ai besoin. Tu sais. Qu'est-ce que tu fous, mec? Enfants, arrêtez de courir, enfin! Oh, et toi, arrête de manger, c'est pour la soirée. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de ton allure. Ah, regarde-moi ça, tu ressembles à rien. Maman, j'ai soif, je peux avoir un soda? Non, pas de sucre, tu bois de l'eau. Mais j'aime pas l'eau. Tu vas prendre un chou discretos et tu dirais à ta mère, d'accord? Je t'ai dit d'arrêter avec ces cacahuètes, enfin! Oh. Hello, la compagnie! Salut, toi! Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas habillée? La cérémonie dans moins de 2 heures! Ah, et puis t'en pestes l'alcool! Je vous rappelle que j'ai eu 40 ans hier. Mais ça, tout le monde s'en fout. 40 ans? T'es passé dans l'autre dimension. Hey. On t'a appris hier et on t'a envoyé des fleurs, tu les as pas reçues? Ah super. Des fleurs livrées par un mec trop pressé, en training et qui tient la gueule. Génial comme surprise. Vous avez pas marre de râler là, sérieusement? Non mais jamais contente les meufs. Eh oh! Bon, alors? Comment ça s'est passé, le passage du cap? Quoi? Oui, le cap, la quarantaine. C'est quoi cette question? C'est un cap, 40 ans, pour une femme. Surtout, surtout pour une femme. Bah, excepté ma bonne gueule de bois du jour. Tout. Ah, toi, t'as passé une bonne soirée, hein. Viens, on va fêter ça, prends une coupe, ça va te faire du bien. Pour tes 40 ans. Stop, vous arrêtez. C'est pour la soirée après la cérémonie. Ah oui. Le mariage. S'il savait. Pas aujourd'hui, merde!
Merde. Ça fait une heure que je t'attends. Il est 11h. Je me marie dans une heure. 11h? Je vais pas faire attention. Mais tu transpires? Mais il fait chaud, c'est normal. C'est moi qui me marie. C'est plutôt moi qui devrais transpirer. Pourquoi? T'as enfin compris que t'étais en train de faire une connerie? Arrête, non. T'as vraiment l'air d'un mec serein, là. T'as une bière? J'ai besoin de soutien. Y a pas à boire ici? Tu pourrais m'aider. Je sais que tu penses que je fais une connerie, mais c'est comme ça. Je pense que c'est une bonne chose pour moi. Chloé est gentille, sérieuse. C'est une fille bien. Tu t'entends? On dirait que tu vas embaucher une femme de ménage. Gentille. Sérieuse. T'as juste décidé de te marier parce que ta mère te fout la pression. Et qu'elle flippe comme une dingue à l'idée que tu ressembles à ta sœur. Mais regarde-toi, t'es même pas amoureux, mec. Sois sérieux, c'est pas fait pour nous, cette vie. C'est comme ça que tu me soutiens? J'ai pas envie de me disputer avec toi. Mais si t'avais des couilles, t'irais voir ta jolie copine. Tu lui dirais que t'es désolé, mais que tout ceci est qu'une mascarade pour plaire à papa et maman. Toi, ta vie, c'est d'être avec moi. T'amuser. Sortir. Sauter sur tout ce qui bouge. Voyager. Faire des conneries. Je vais à la console. Tout ça, ça peut pas changer maintenant, c'est pas possible. T'es con. Et ça ne rime à rien, tout ça. On vit comme deux ados attardés. On peut pas continuer comme ça. Il faut faire des choses sérieuses dans la vie et se marier, ça en fait partie. Des choses sérieuses? Bah oui. Tu vas le regretter, mec. Et à ce moment-là, je serai plus loin. Waouh! C'est beau quand même la jeunesse. Garde-nous maintenant. Gauche encore très fraîche, moi. Et surtout, je suis une femme libre. Pas d'enfant, pas de mec. Un petit job qui ne m'en marque pas trop. Et de quoi me faire plaisir. Hop! Pas d'engagement, pas d'obligation. Écoute. Pas de casserole à traîner, hop, libre. Et moi, je me suis marié, j'ai pondu un gosse, enfin, Cathy, elle a pondu. Moi, j'ai juste trompé mon biscuit à la base. Je l'adore, hein, ma mom. Je fais tout pour elle. Ça change la vie, un gosse. Ça transforme un homme. Mais faut avouer que c'est quand même un peu difficile. Vous parlez de quoi, là? Vous parlez de quoi? Ouais, bah, c'est bizarre. Franchement, je me sens pas à l'aise. Prends une cacahuète. Ah, je t'ai dit d'arrêter, on mange pas maintenant. Ah, voilà l'homme de la situation. Waouh, vous êtes craquant! Si j'étais pas ta sœur, je vous mangerais tout cru. Fanny, enfin! Moi, je suis pas contre. Ah oui? On voit ça en fin de soirée? Alors, prêt à s'engager pour la vie? Ouais.
suis désolé. Qui c'est qui va fêter ses 40 ans? Champagne et cacahuètes. Oh!